je vous remercie d'avoir participé pour la quatrième fois au concours des villes illuminées pour la période de Noël, donc du mois de décembre 2004. Et tout simplement pour vous remercier et vous dire que j'apprécie que vous veniez en plus embellir la ville, parce que j'ai remarqué qu'une ville éclairée, c'est beau. Et à Noël, plus elle est éclairée, mieux c'est. Donc la ville fait des efforts, c'est certain, mais vous, vous en faites également. Il m'arrive de passer des soirs et même de tourner pour regarder les façades. Et je m'aperçois qu'effectivement, c'est quelque chose de plus que lumineux, c'est même gai, c'est convivial. Et je vous remercie pour votre participation à cet effort d'embellissement de la ville le soir. Vendredi a eu lieu à l'espace culturel la remise des prix du 4e concours de décoration et d'illumination de Noël. À cette occasion, M. Fournier, maire de Romba, M. Noël, directeur d'énergie et services, ainsi que les adjoints et administrateurs de la municipalité, étaient présents pour remercier et féliciter tous les participants. Ils étaient cette année plus d'une trentaine d'inscrits à jouer le jeu et contribuer à l'embellissement de la ville de Romba. Dans la catégorie de l'habitat collectif, c'est M. Chandelier qui a remporté le premier prix, suivi de Madame Sulter, et de Madame Montanavelli. Dans la catégorie des maisons individuelles, nous retrouvons sur les marches du podium Madame Gertizer pour la médaille de bronze, Monsieur Lorenz pour l'argent, et Madame Novak pour la médaille d'or. Pour marquer l'événement, rien de tel qu'une photo. Et après avoir pris la pause, Monsieur le maire a invité tout le monde à se réunir autour d'un verre. Je vous laisse maintenant découvrir le palmarès du concours d'illumination 2004.